Et bonjour à tous, c'est moi Missien, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode sur Maïta Mat Portia. Donc c'est le 11e épisode et bientôt le dernier, je pense que je vais arrêter la série vers le 12e. On va faire encore un dernier épisode au 12. Parce que ensuite je vais devoir faire... Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui attendent et ça fait beaucoup de choses en même temps sinon. Mais je pense que je continuerai quand même le jeu peut-être en solo. Et peut-être qu'un jour je vous montrerai l'avancement. Voilà. Du coup, j'arrête Maïta Mat Portia pour aller plus sur Subnautica. Et pour les vidéos Minecraft qui vont venir, c'est-à-dire présentation du serveur, les tutos donc Astral Sorcery, parce qu'il y a eu des mises à jour, le tuto Roots sur un mode de magie, et il manque un truc, et ben oui, Two Wizards, qui va être une nouvelle série, je pense, sur la même map, si je me sens de le faire. Du coup, on sort et c'est parti pour le jour numéro, je sais plus combien, le 13, 13e jour? Alors du coup pour ces deux derniers jours, je pense qu'on va plus s'attarder au pont. On va essayer de construire et de finir le pont. Alors j'avais plein de trucs, je me rappelle plus trop ce que c'était, mais j'avais mis plein de trucs dans, dans mes usines de fabrication. D'ailleurs il manque à chaque fois du bois. Je sais pas si j'ai... Ah là ça va, il y en a pile poil. Je vais en remettre. Je mets le plein de partout. Alors attendez, je regarde que le son soit bien mis. Voilà, j'entendais pas trop le son du jeu. Alors ici on avait plein de planches, les 5 planches en bois dur, donc je pense que c'est tout ce qu'il nous fallait pour une des parties du pont, je sais plus exactement laquelle. On va aller voir du coup ce qu'on a dans notre inventaire. Alors on a des planches en bois dur, du fer bois, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Les plaques de bronze, ça seront utiles aussi. Et les 10 briques en pierre. Alors qu'est-ce qu'il fallait du coup pour faire le pont? Le pont. Hop là, je vais trop loin. Ah donc voilà, il fallait 12 briques en pierre, ça c'est bientôt, avec les 5 plaques de bronze. Mais en attendant, on a les 5 planches en bois et les 3 tuyaux en cuivre. En fait, on a tout, quasiment. Il manque juste un petit peu de choses ici, qui prennent à peu près 3 minutes. Bon, dans 3 minutes, ça sera fait. Alors, poste d'assemblage. On va construire ça. Donc c'était une autre des têtes, on a déjà fait une des têtes. Donc j'ai les planches, et il faudrait les tuyaux, hop là, ils sont là. Tac. Alors, et je les place... Ouais, j'ai les tuyaux, place les bases, planche. Ah voilà, c'est bon. Et les planches, c'est là. Et voilà, c'est fait. Je récupère. Je vais pas le mettre tout de suite, parce que moi, on ira les mettre tous les deux en même temps. Donc, voilà. Il restera du coup ça et puis ça. Au bout de 3 minutes, on pourra le faire. On va déjà commencer à poser les autres trucs. Donc, poste d'assemblage. Le corps. Oh, il est beaucoup plus grand, lui, du coup. Placer le haut. Avec les plaques de bronze. Il en fallait que 3, bon. C'est mieux d'en avoir plus. Et ensuite, là. Ah, il en faut plusieurs, tac. Tac. Là, il m'en manquera 2. Ah oui, non, voilà, il fallait des plaques ici, donc on en avait pile poil. Et il manque le dernier pilier, qui va se faire dans pas longtemps. J'en ai une. Et voilà, bientôt l'autre. Du coup, pendant ce temps, on va voir l'autre quête, qui est fabriquer la caisse à cultiver. Petite caisse à cultiver, 0 sur 3. D'accord, c'était quoi ça déjà? Construire le pont, à la ferme, fabriquer caisse à cultiver. On va montrer à Emily, c'est bien, elle m'a dit c'est bien. Fabriquer la caisse à cultiver. Petite caisse à cultiver, 0 sur 3. Ça doit pas être très compliqué, je pense que c'était dans l'établi. Alors, caisse à cultiver. Je sais pas dans quoi ça peut être, bon ça c'est mobilier, ah bah c'est dans mobilier. Alors, des planches en bois, de la terre et des excréments d'animaux. Bon, bah, l'instant que ça se finisse, je pense qu'on va aller faire ça. Alors, pour faire les planches, je me rappelle plus vraiment combien c'est de bois. C'est 8. D'accord. C'est là-dedans. 8, donc il nous en faut 24. Bon, on en a quasiment assez. Je vais en ramasser un peu plus pour en avoir en réserve.
de la terre et excréments d'animaux. Ok, je vais faire tout ça. D'ailleurs, on avait un coffre. Est-ce que je l'avais posé quelque part? Normalement, oui. Ah, il est là. J'avais mis quoi dedans? Ah ouais, les trucs que j'utilisais vraiment pas, quoi. Genre la vinaigrette. Bon, j'ai assez de place, donc pour le reste, ça va pas être... c'est pas grave, on va laisser. Par contre, j'ai plus de terre. Il va falloir aussi éliminer. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Comme ça, on finira par le pont, on finira peut-être par les caisses. Hop. Résultat de la recherche. Nous avons terminé la recherche du diagramme. Voici le résultat. Fourneau personnel. Le centre de recherche. Ah, ben on va aller au centre de recherche aussi. C'est la fameuse Petra qui, je me rappelle, dans l'épisode précédent, elle a mis 100 000 ans pour nous faire un truc. Enfin, 100 000 ans, elle nous a dit ça sera prêt demain, mais c'était pas prêt demain. Elle a eu du retard. Du coup, là, cette fois, je pense que c'est bon, on va pouvoir aller la voir. Et un fourneau personnel, je me demande si c'est le même fourneau que ce que j'appelle la forge. On en avait déjà deux, mais bon, un troisième, ça serait pas de... ça ferait pas de mal. Mais c'est pas très cher payé, parce que j'ai quand même donné 5 CD à la meuf. Il y a plein de trucs, c'est vrai que je vais pas voir tous les magasins. Salut, tu dois être le nouveau constructeur dont tout le monde parle, je m'appelle Martha, ravi de te rencontrer. Je tiens la boulangerie en ville. Ok. Je voulais voir la boulangerie. Boulangerie de Martha. Oh, du pain, des burritos. Et des crêpes aux champignons. Ah, c'est pas mal, par contre c'est cher ce truc. Ça va sortir des PV de la fortitude. Pour l'instant, je suis pas trop en manque de PV de fortitude, je crois qu'en dormant ça la régène. Donc c'est pas vraiment un problème. Alors, c'est bien là? Non, c'est là-bas, le centre de recherche. Hop là. Alors, où es-tu Petra? Recherche. Salut, tu as découvert quelque chose? Non, non, mais... Eh, pépép. Tu dois me donner quelque chose, discuter. Les religieux sont tellement têtus, pourquoi devrions-nous renoncer à utiliser les technologies de l'ancien monde? Elles peuvent clairement nous simplifier la vie, ça n'a aucun sens. Oui, si j'étais à leur place, je veux bien comprendre que les technologies de l'ancien monde sont mauvaises. Ok. Mais il y a certaines technologies qu'on peut utiliser pour améliorer le quotidien sans pour autant avoir les mauvais effets. Alors que les religieux, eux, ils veulent absolument rejeter tout ce qui est de l'ancien monde. Bref, c'est où qu'on prend le fourneau? Je sais pas. Ça brille là. Récupérer. Qu'est-ce que c'est? Récupérer? Rien de suffisant. Ouais, non, ça c'est pour faire avec les morceaux, blablabla. C'est peut-être Merlin? Non. Attendez, on va lui parler. Ah bah elle dit pareil, les religieux sont têtus. Bon, tant pis. Je regarde un peu de partout s'il y a quelque chose. Non. C'est bizarre, hein. Blop. On ne pousse pas. Non, il n'y a rien ici. Alors, c'est peut-être en haut. Hop, ça mène où en haut? Ça mène nulle part. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah, ok, je reviendrai. Ils me disent qu'il y a un fourneau, mais je sais pas où c'est le fourneau. On peut voir les lettres ici? Je pense pas. Carte, sur la carte, peut-être? Non. Album photo, mission sociale, blablabla. Bon, pas grave, on est à côté de la mine, donc je vais aller prendre de la terre. Je sais plus combien il en fallait. En plus, c'est important, parce que il en faut peut-être pas mal. On n'a pas le craft... non, on n'a pas le craft ici. Bon, mais on va repasser à la maison, alors.
D'ailleurs, je vais en profiter pour revoir la lettre. Du coup. Pour voir qui c'est qui m'avait envoyé. Le centre de recherche, c'était donc bien eux. Ils ont terminé la recherche du diagramme. Voici le résultat. Fourneau personnel. Ah, je crois que c'est un diagramme, c'est une recette dans le manuel. Oh là là, je viens de comprendre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, il faut aller dans le manuel et je pense qu'on a débloqué une nouvelle page. Fourneau personnel, voilà. À assembler sur un poste d'assemblage. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit débloquer peut-être des nouvelles choses. Des nouveaux items. Par contre, il faut du marbre, ça je sais pas où on en trouve. Pack de bronze, c'est bon, et la pierre, c'est bon. Ouais, bah, c'est peut-être récent si je joue par la suite. Ok. Allez, on va mettre le pont. Hop là, je regarde pendant ce temps et je mémorise combien il nous faut de matériaux. On a dit 24 planches. Ah, il en faut que 9. 9 terres et 6 excréments d'animaux. Alors, je pose ce qui manque. Oh, le pont est enfin terminé. Récupère-moi ça, voilà. Je vais les prendre tous les deux dans ma main. Tac. Et on va aller poser tout ça. On va aller voir la zone qu'on débloque, du coup. Alors, c'est par... quel côté? Ah, c'est là-bas. Vous voyez qu'on a déjà posé un bout. Alors, entre le moment où on l'a crafté et le moment où on l'a posé, le pont a grossi. Vous voyez qu'il n'est pas le même quand il est dans mes mains et quand il est là-dessus. Mais bon, on peut pas tout faire réaliste. C'est normal qu'il soit plus grand ici. Alors, poser le corps de pont. Oh. Oh oh. Yeah. Et le dernier morceau. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, le pont de l'île d'Ambre. Allez voir Antoine. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'île d'Ambre? Qu'est-ce que c'est? Une crotte dorée. De la résine. J'en avais pas déjà. Non, c'était du sable. La résine, si, j'en avais déjà un petit peu. Ok, bon, c'est pas grave. Ça, c'est un escargomar qui est le niveau 10. Et moi, je suis... je crois pas que je suis complètement niveau 10. On va pas les embêter. Du coup, c'est pas mal ici parce qu'il y a des arbres. Et il y a même... un gros rocher. Mais en fait, c'est une mini-île. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que le rocher est un donjon? Ou une ruine de l'ancien monde? Ah, c'est possible. Voyons voir. On peut pas rentrer. Mais je peux pas casser. Ça, c'est dommage. Oh, il y a un coffre là-haut. Comment on y va? Je fais de l'acrobatie. Il va y avoir un moyen. Par là. Ouais, enfin... Ça a l'air compliqué quand même. Hop hop. Mais, d'accord, je pouvais escalader comme ça. Tranquille alors. Hop. Hello, qu'est-ce que c'est? Coup de pied dans le coffre. Oh, un collier en cristal, waouh. Utile. Alors, un joli collier en cristal qui brille de 1000 feux. Attaque plus 6. Oh, ça c'est cool. Comment on le fait? Je vais le mettre là. Attaque plus 6. Bon, je sais pas combien ça fait d'attaque. 100. Bon, ben, 6 sur 100, c'est pas énorme. Bon, c'est mieux que rien. Oh, un arbre fruitier. Que se passe-t-il si je lui donne un coup? Hop là. Frappé. Frappé. Ouais, non, il se passe pas grand chose. Bon, bah, ça nous aura permis de regarder un peu la zone. Je vais donner des coups dans les arbres au cas où on est des cocons. Je vous rappelle que on en cherchait. Fut un temps. Ah, qu'est-ce que c'est? Je connais pas cette chose. De la cire. Ah, du cocon sauvage. Eh ben, enfin, ils étaient là. Bon.
C'est trop tard. À la base, c'était pour faire des cannes à pêche, il me semble. Oups. Je suis pas passé sur le pont, je suis passé dans l'eau. Voilà. Et il fait déjà nuit. Bon ben... Je vais retourner à la maison et puis on va se pencher sur les... Soit on va voir Antoine, soit on fabrique la caisse. Je pense que pour cet épisode, on va faire le pont complètement, donc on va aller voir Antoine. S'il est pas endormi. Parce qu'il est quand même tard. La carte. Ah, il est à la guilde du commerce. Ok. Alors j'y vais. C'est pas lui par hasard, non. Ça c'est Remington. Ah, Remington, je crois qu'on avait un truc... Non, ça c'était avant. Ouais, c'était les citernes de Remington, je crois. Je prends le bois, je vous rappelle qu'il en faut. 24. C'est quoi ça? Une baie de serpent. Des chenilles. Ben, une chenille. Ah, la guilde du commerce est encore éclairée. Avec un peu de chance, ils font pas encore dodo. Guilde, quelle heure? 19h39. C'est bon, c'est ouvert. Eh, bonjour Antoine. Excellent work. Excellent travail. Voici ton règlement. Oh, ça va être bien payé, ça. Ouf, 1800. 1000 d'expérience et je sais pas quoi. Point de récompense de réputation de 100. Et c'est tout. Où est la suite de la quête principale? No commission are offered by the Commerce Guild over the weekend. Ok, ok. Il travaille pas le week-end. Et Presley n'est pas là. Bon bah merci Antoine, je verrai s'il y a autre chose. Oh le mec c'est bon là, c'est son heure de sport. Poli. Discuter. Les hommes devraient être aussi costauds que moi. Mars. Feu, il ne fait pas le poids. Je sais pas qui est Mars. Moi je vais te battre. Au pire feuille ciseau. Feuille. Zut, il a mis feuille aussi. Ciseau. Et voilà, je l'ai eu. Ah, il faut en faire plusieurs. Yeah. Ah oui, il a dit je vais jouer Pierre. J'ai pas vu. En fait, il ment. Ah non. Ah, je suis là pas longtemps, là, je peux pouvoir gagner. Si tout se passe bien. Ouais. J'ai perdu, on recommence. Non, ça va, je vais pas y passer toute la nuit. Mais c'est sympa. Relation plus 2. Bon, je pense que l'épisode n'est pas vraiment terminé. Je vais voir combien de temps on est. Ok, on est à 18 minutes. C'est bizarre que la nuit soit tombée aussi vite alors. Bon, ben on a le temps d'éliminer. Au niveau de la vidéo, au niveau du jeu, je sais pas, parce que c'est déjà 21h. Ok, nous y voici. Ça, c'était quoi ça là-bas? Je l'avais déjà vu. Un truc à péter. Il te faut une meilleure pioche. D'accord, bon. Ouais, c'est intéressant. Bon, je vais faire un peu de tout, donc on va faire un mélange de cuivre, terre. Ça va pas être très long pour prendre de la terre, j'espère que ça va venir assez souvent. Sable. Terre. Ouais, c'est un peu rare quand même. Bon, là je suis en deux, je vais compter. On a 3. 4. Bon, ça nous fera de la pierre au moins. 5. Ah, un disque de données. Hop là. Quitte à miner, je vais éliminer plutôt vers là où il y a du cuivre. Voilà, c'est à peu près vers ici. Donc on a divisé 15. Bon, je pense qu'il y a de la terre ici aussi quand même.
Ah non, ça a l'air d'être full curette. Bon, bah je vais viser plutôt là alors. Hop. Ah voilà, terre 6. 7. 8. Et 9. Et voilà, minage terminé. On peut se barrer. Tac. Bon bah du coup ça aura peut-être terminé dans le prochain épisode les caisses à cultiver. Ça tombe bien, c'est notre dernière quête. Et du coup pour la dernière vidéo de la série. Bon c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, je pense que je continuerai en solo, notamment l'exploration, j'ai vu que c'était très grand. Et en allant sur l'île là-bas, j'ai vu qu'il y avait un biome de désert juste à côté. Donc sûrement qu'il y a des nouveaux minéraux, matériaux, tout ce genre de choses. Là-bas il y a une cascade. Et la zone dans les montagnes, là, elle a l'air d'aller assez loin. Voilà. Ben, on va se quitter là. Moi, je vais aller chercher des excréments. Oui, les excréments. Parce que c'est ce qui me manque pour faire les boîtes à cultiver. Et puis, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 12 qui sera le dernier. Eh oui. En attendant, ben, je vous laisse découvrir les vidéos Subnautica et peut-être les tutos Minecraft. Moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.